truc, car voilà, le temps que ça me revienne, c'est une phrase des 52 comptes avec deux tags, un start, mais ne vous en faites pas, c'est une petite novice, ça va passer tranquillement. Je danse et ensuite le polyglot. Cross,
oui, le quart de tour. Le quart de tour. Et ensuite, on va faire step, snap. Donc, clap, on clap par les mains. Snap, c'est les doigts. Snap, quart de tour. Snap, step, snap, demi-tour, snap. Je reprends ça avec les comptes. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, pause 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez maintenant votre partie A et votre partie B. Nous avons donc, comme je vous le disais, deux tags. Il y en a donc un où c'est step, clap, car, clap, step, car, car, clap. Ça, ça va, c'est pas très compliqué. On en a un deuxième où du coup c'est deux quarts de tour où il faut légèrement faire avec des sways ou avec un petit déhanché. Et puis, bah, je crois que c'est à peu près tout. On a juste, du coup, au niveau de la construction, partie A x 3, ensuite le tag, partie B x 2, ensuite on reprend partie A x 3, le tag, donc toujours le step car, clap, step car, clap. Ensuite, partie B deux fois, on fait la partie A que 24 comptes, c'est-à-dire qu'en fait, on va s'arrêter après les deux vagues. De là, on a notre deuxième tag où on fait notre step car avec un sway ou un déhanché, ça sert un peu comme vous le souhaitez. Et ensuite, on termine par la partie B. Voilà, je vous souhaite de bonnes révisions. Salut!